le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet, donc préparation de la page 2019 et ainsi que préparation du futur log annuel pour y noter en fait toutes les informations quand les mois ne sont pas encore prêts dans le bullet par exemple. J'ai commencé par travailler au crayon de papier. En fait, pour le moment, je me sens pas assez à l'aise pour pouvoir le faire directement au crayon noir. Après, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Je me suis un petit peu inspirée de ce qui est à la mode en ce moment, c'est-à-dire les ballons qu'on voit en doré ou en argenté un petit peu partout pour les photos anniversaires, etc. Et j'ai écrit 2019 et je commence par le coloriser avec des feutres métalliques couleur or de Staedtler. D'ailleurs, soit dit en passant, il y aura bientôt un concours pour les gagner sur ma page Facebook Une Famille d'Enfers. Pour rester un petit peu dans le côté festif, je décide aussi de faire tous les petits confettis avec les métalliques, donc du bleu, du violet, de l'argenté, du vert et du rouge rose. C'est assez long à faire, mais honnêtement, c'est vraiment très très facile puisqu'il suffit de faire des carrés pas toujours très réguliers, plus ou moins longs dans tous les sens, certains qui se chevauchent et c'est tout. Donc c'est vrai que c'est minutieux, mais vraiment vraiment très facile à faire. J'ai mis à peu près 10 minutes pour faire tous les petits confettis. Pour finir, je fais en noir la petite ficelle qui retient le ballon et je crée une ombre avec le stylo argenté sur les ballons. Et voilà pour cette page 2019 que j'aime beaucoup. Pour le futur log, j'ai décidé de faire 4 mois par page, donc soit 3 pages. J'ai travaillé au crayon de papier et je vais repasser avec les Staedtler 0,8 mm pour les mois et 0,3 mm pour les jours. C'est des stylos que j'aime beaucoup. J'ai choisi de faire les jours et les mois juste en noir. Aidez-vous d'un agenda ou de votre téléphone pour pouvoir faire les chiffres afin de ne pas vous tromper. Ça pourrait quand même vous gâcher votre année. Non, je plaisante. C'est assez long à faire, mais ça va, on ne le fait qu'une fois. Afin de mettre un petit peu de gaieté sur les pages, je décide de faire les cadres en couleur. Donc je fais un petit peu comme un dégradé, comme un arc-en-ciel. J'utilise des Staedtler de 0,8 mm. Je laisse sécher un petit peu et ensuite je viens gommer toutes mes traces de crayon. Pour mettre encore un petit peu plus de couleur, je viens entourer les jours qui seront des vacances. Donc je vais mettre du site de l'éducation nationale puisque je ne connais pas les vacances 2019 par cœur. Et je trouve que ça met vraiment un petit peu de gaieté, ça rajoute de la couleur et c'est très très joli et en plus pratique. Et voilà pour ces 4 pages, je ne ferai rien de plus. Je vous l'ai déjà dit, je veux un agenda qui est simple et facile à faire pour tout le monde. J'aurais pu rajouter des dessins ou des choses comme ça, mais j'estime que c'est des pages que je n'irai pas très très souvent, donc je préfère le faire très très simple. Vous verrez à droite un tableau au crayon de papier et il le restera. C'est juste pour mes suivis Instagram et Facebook et YouTube. Je n'ai pas spécialement envie de le coloriser, donc il restera ainsi. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous réalisez, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !